le nouveau prix Nobel de littérature, Samir Amin. La ville de Sidi Mimoun est heureuse de vous inviter afin de vous nommer citoyen d'honneur. Tu me reconnais, Milo? Oui, le petit voisin. Oui. Avec les cheveux longs. J'ai pas changé, hein? Non. Hein? Toi, t'as vieilli un petit peu, mais c'est normal, c'est la France. C'est celle-là, hein? De toute façon, moi, j'ai pas de voiture parce que j'ai pas de permis. T'as vu, c'est joli l'Algérie, hein? Ça fait combien de temps que t'es parvenu au bled, monsieur Samir? 35 ans. Oh non, un bouchon. Trouve le chef, tu discutes avec lui. C'est qui le chef? Lui là, avec les grandes cornes. Lui là? C'est lui. Allez, allez, dégage. Parle en arabe, monsieur Samir. Nous sommes très honorés de vous accueillir parmi nous. Et on y va, parce qu'il y a le camion qui nous attend. Ah oui. Quel camion? On est très fiers de vous en Algérie, mais est-ce que vous pensez qu'on peut bien raconter un pays alors qu'on vit à l'étranger? J'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 20 ans. Ça laisse des traces quand même. C'est quoi cette maison? Chez moi, là où je suis né. La famille Amine. Genre, j'aime beaucoup ta famille. Depuis qu'il a quitté le pays, il n'a pour les Algériens que du mépris et de la haine. Pourquoi tu es revenu? Me dis pas que c'est pour recevoir une médaille. Je savais pas que vous aviez fait les manifestations étudiantes en 88. Ça vous dit pas de venir manifester avec nous? Vous croyez pas que j'ai passé l'âge, non? Mais quoi, y a pas d'âge pour manifester? Je te jurais, je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Ben, je suis là. Quand le général de Gaulle il a fait le discours, je n'ai rien compris. Je vous ai compris.